Salut à tous, c'est Mr. Wolf et on se retrouve pour le 10e let's play déjà de Metroid Fusion. Alors on avait récupéré dans l'épisode précédent qui était assez long, on avait récupéré le rayon à ondes et les missiles de la diffusion. Voilà. Et on avait récupéré aussi le costume de gravité qui nous permettait de courir dans. Excusez-moi, qui nous permettait de courir dans l'eau. Et j'avais arrêté la vidéo parce que on avait un ennemi que je n'arrivais pas à battre. Et je me suis souvenu d'une chose assez importante. Par rapport à cet ennemi, je me suis souvenu d'une chose assez essentielle. Il va nous bloquer la route. Tiens. Donc cet ennemi, en fait, il faut qu'il apparaisse. Donc on va le faire apparaître. Oh là, il faut deux bombes de puissance. Voilà, alors je récupère pas les. Voilà, et en fait, il faut tout simplement lui tirer dans le dos. Et avec l'autre qui me. J'aurais dû les faire apparaître un par un. Je vais mourir. Ça va être... C'est super pour commencer cette vidéo. Voilà, un game over. Je vais les faire apparaître un par un. Hein. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ouais, je suis à peine arrivé, je meurs déjà, c'est super. Vous voyez, c'est un ennemi très très dur, hein, un pirate de l'espace doré. Alors, tac. Voilà. Ok, alors on va les faire apparaître un par un déjà, hein, ce sera plus simple. Ça marche très très bien. On va voir. Oh, il tire à travers les murs. Ça marche très 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 bien ce rayon à ondes. Et voilà, la porte est débloquée en fait. Fallait juste tuer ces deux créatures dorées. Alors que je me souvienne, on va descendre. Au cas où il y a une réserve. Enfin, une recharge. Oula, 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 ça je le sens pas. Ça, tous les coups, ça c'est encore le. Ouais, c'est encore le monstre doré, ça. Voilà, donc vous voyez qu'il redonne pas mal d'énergie, hein, donc on va faire le plein. Ah bah, il y en a avec un. Et voilà. Alors par contre, j'espère vraiment trouver une unité de recharge. Wow. C'est quoi ce bordel? Je crois qu'il faudra que je revienne quand j'aurai la. L'attaque vrille. Donc bah tant pis, hein, on va aller voir Ridley. Unité de sauvegarde, c'est bien. Ah bah Ridley est derrière les tortues en fait. Ah. Je vais voir par contre si il n'y a pas une réserve d'énergie. Non, il n'y a rien du tout. J'ai cru. Mais c'est pas grave. Bon, allez, on va voir Ridley. Je ne sais jamais. Allez, hop. Alors, c'est de l'acide. C'est génial. Aïe. Mon dieu. Je sais pas si ça va suffire contre Idol. Et il est là. Mais en sous forme de X, hein, vous voyez, c'est exactement la même forme que dans la chambre froide. Sauf que quand on va s'approcher, c'est plus du tout le même. Voilà, vous voyez, il est. Alors le mieux ici avec lui, c'est de se foutre dans un coin. Vous voyez, il peut vous choper. Hein. Le mieux, c'est de se foutre dans un coin et plus bouger. Ouais, il change déjà de couleur, c'est déjà beaucoup plus efficace, hein, le rayon à ondes, le rayon à vague est beaucoup plus efficace. Hein.
Donc je crois qu'il faut qu'il passe au rouge vif. Si je me souviens bien. Tiens. Voilà. Et là, il va commencer à s'énerver. Il va commencer à faire beaucoup plus mal. Surtout éviter sa queue. Voilà. On l'a eu. Alors maintenant, il suffit de pas de mourir. Hein. Il faut vraiment pas mourir là. Hein. Ce serait très très bête. Surtout avec la vie qui me reste. Alors, des petits X. Ce serait sympa. Merci. Et on va pouvoir récupérer l'attaque grille. Voilà. Voilà. Encore deux fois. Ah zut, 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 zut. Une touche encore une fois. C'est fini pour moi. Voilà. Et on a récupéré l'attaque en vrille. Alors en fait, quand on va utiliser l'attaque en vrille, on va être invincible. Tout simplement. Et là, c'est... Puis elle est super bien faite. Voilà, on est invincible. On peut y aller sans crainte. Et on peut enfin détruire ces tortues. Ce qu'on pouvait pas avant. Ici, je suis déjà venu. Ça sert à rien. Demi-tour. Voilà. On va peut-être aller sauvegarder. Ah zut. Dommage. Ah, on peut passer directement. Si, c'est cool. Et même plus besoin d'attaquer. Hein. On va gagner un maximum de valeur. Enfin, on va pouvoir conserver notre énergie à fond. Hein. Parce qu'en attaquant comme ça, on est vraiment invincible. Donc on a eu Riddle, on a récupéré notre attaque brille, c'est parfait tout ça, voilà maintenant on peut passer tranquillement. Mais même les tirs ça nous fait plus rien, on va pouvoir recharger notre énergie comme à rien. Hop. Alors, est-ce qu'il y a un truc par ici, il me semble. On va mettre des petites bombes, non il n'y a rien, non tant pis. Alors là c'est un passage assez dur. Parce qu'il faut donc détruire les parties qui sont là, voilà les parties du mur avec l'attaque grille, et là il faut voilà, détruire et sauter là. Voilà, donc là faut avoir des gros réflexes. Hein. Si j'avais par exemple, si j'avais eu un freeze encore une fois, bah, j'aurais pas pu. Hein. Voilà, on va récupérer un maximum d'énergie avec les pirates. Voilà, et on se retrouve dans le secteur 1 si vous vous souvenez bien. Donc le tout premier truc qu'on a fait, hein. Là par contre, il me semble qu'il y a un truc, là-haut. Non, c'est pas ici. Vous voyez là, l'œuf, qui est ici, c'est un œuf de Metroid, qui est avec l'eau. Qui va faire bien mal, une fois que qu'on va les rencontrer, mais il me semble pas qu'on rencontre de Metroid. À part le boss de fin, il me semble pas avoir... Il semble pas qu'il y ait des Metroid. Voilà. Ouais, maintenant on peut dégommer les plateformes, qui est super pratique. Le saut spatial, l'attaque vrille, voilà, on est invincible. Tant qu'on est comme ça, on est invincible. Donc le jeu va être beaucoup plus facile à partir de maintenant. Mais les boss par contre ne changent pas, hein. Ils sont toujours aussi durs. Alors voilà, petite particularité de la double combinaison, donc j'avais la combinaison Varia qui me permettait de résister aux chaleurs et la combinaison de gravité qui me permet de résister, enfin de me déplacer facilement sous l'eau. Et regardez, hop, je ne prends aucun dégât, ce qui va me permettre d'aller récupérer quelques items qui étaient cachés que je pouvais pas avoir avant. Donc voilà. Et en fait, de toute façon, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Alors, par contre, j'ai oublié une zone, peut-être qu'il y a quelque chose en haut. Ouais, il y a quelque chose. Hop là. Alors. Et encore un œuf de. Encore un œuf de Metroid. Il y en a vraiment beaucoup là. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il me semble qu'il y avait des choses ici, intéressant. Voilà la porte verte que je pouvais pas avoir avant. Alors je crois que c'est ici.
Voilà. Eh oui. Voilà. Eh, mais non, on peut débloquer plein de d'objets. Hein. Oh, non, c'est là. La... vraiment des petits ennemis maintenant. Et voilà. On a tout récupéré. On a récupéré toutes nos armes. On est à 100, presque 100%. Et là, je pense qu'il va y avoir une deuxième surprise parce qu'on arrive vraiment à la fin du jeu. Alors, Samus, ta mission est terminée. La Fédération prend le relais. Nous devrions nous préparer à évacuer la station. Tu plaisantes? Partir alors que les X sont de plus en plus nombreux et puissants? La Fédération s'intéresse beaucoup aux X et aux Sa-X. Elle souhaite en faire usage dans un tas de domaines. Tout cela est ridicule. Ces monstres sont impitoyables. À quoi pourraient-ils servir? Ceci est confidentiel. La fédération va arriver d'une minute à l'autre. À ta place, je m'en irai sans bruit. C'est de la folie. La station est un vrai piège à rats. Elle va tous les dévorer. Mais quel est leur objectif? Ils veulent capturer le Sa-X. Es-tu sérieux? La base pense qu'elle est de taille? Cela ne sera pas facile vu qu'ils ont renoncé à ton aide. Ils savaient que tu tenterais de détruire le Sa-X. C'est pourquoi tu n'as plus reçu de données de soutien. Ainsi, le rayon de plasma, prêt depuis longtemps, ne t'a pas été transmis afin que la vie du Sa-X soit préservée. Curieusement, tu as réussi à acquérir cette arme sans aide. De même, ils n'ont pas voulu que tu disposes du missile de diffusion, de peur que tu deviennes trop puissante. Mais l'arme était déjà disponible et tu l'as trouvée. Félicitations, Samus. Ils doivent renoncer. Contacte la base. Je ne les laisserai pas faire. Ils sont déjà là. Quelle bande d'idiots. Dès que les vaisseaux de la Fédération atterriront, les X y pénétreront pour absorber le savoir et l'énergie de l'équipage. Quand ils seront prêts, ils partiront à la conquête de l'espace. Ce sera alors la fin de la civilisation galactique. Les X sont avides de chair, de savoir et d'énergie. Ils ont la faculté de les reproduire. Toutefois, ils ne peuvent pas copier les âmes. Les X cèdent à leurs instincts, cherchant à tout prix à se multiplier. Ils sont un réel fléau que la Fédération sous-estime. Les X doivent rester ici. Je dois les exterminer avant que la Fédération n'arrive. La station est dotée d'un système d'autodestruction qui me permettra de supprimer tous les X. Ils disparaîtront tous avec la station, voire avec moi s'il le faut. Donc voilà, notre petite Samus est prête à se sacrifier pour éviter que les X ne détruisent la galaxie. Alors vous voyez que là on peut plus sortir, hein. Plus du tout sortir. Il nous a bloqué. Donc bah, on va lui reparler, hein. Ouvre la porte. On m'a ordonné de t'enfermer jusqu'à la venue des vaisseaux. Réagis, Adam. Ne comprends-tu donc rien? Adam? Qui est Adam? Un ami. Et quel conseil cet ami te donnerait-il dans ce cas? Il saurait que la seule solution serait d'activer le dispositif d'autodestruction. Il saurait combien c'est important. Adam se souciait-il de ta vie? En sécurité, dans une unité de dans une unité de commande, doit-il ordonner de te sacrifier? Il saurait que certains doivent vivre et d'autres mourir. Il savait ce que cela impliquait. Il a jadis sacrifié sa vie. Il t'a donc laissé vivre, toi, la belle guerrière Samus Aran. Ton Adam a sacrifié sa vie pour préserver la tienne, pour le bien de l'univers. Comme cela est ridicule. Comment oses-tu? Comment une machine pourrait-elle comprendre? Il ne suffit pas de faire exploser la station en orbite pour exterminer tous les X. Cette stratégie ne servirait qu'à pulvériser l'unique frein à la destruction de l'univers. Toi, tu voudrais sacrifier ta vie pour une cause qui est perdue d'avance? Adam a fait le mauvais choix en te laissant vivre. Tu dois modifier l'orbite de la station de sorte que la planète soit incluse dans la propagation de l'onde de choc de l'explosion. Hein? La phase de propulsion doit être déclenchée maintenant, avant que la Fédération n'intervienne. Samus, c'est ta dernière mission. Accède à l'unité de contrôle et ajuste l'orbite.
de la station sur celle de SR 388. Et on a vu Samus faire des gros yeux. Retourne aussitôt dans ton vaisseau et échappe-toi. Tu dois te hâter et survivre. C'est un ordre. Des objections, jeune dame? Et voilà, en fait, le commandant qu'elle avait était bel et bien son premier commandant, Adam Malkovich. Mais apparemment, sa mémoire avait été détruite. Et Samus vient de la réactiver, sa mémoire. Donc, je vais vous laisser là. Et on fera un dernier let's play. Donc, ce sera le 11e et dernier. Où on combattra le Saïx et le Metroid Omega. Et on aura le droit à une belle cinématique de fin. Donc voilà, je vous laisse sur ça en espérant que ça vous mette en appétit pour la suite. Bon, bah je vous dis à la prochaine.